Les barrières aujourd'hui à l'utilisation du biocontrôle, c'est la première, c'est un manque de confiance dans ces produits. Des agriculteurs, mes voisins, justement, n'utilisent pas autant de biocontrôle que ce que nous faisons sur l'exploitation, par habitude de produits chimiques qui ont fait leurs preuves par le passé. Mais on essaye aujourd'hui de leur montrer que ces solutions sont aussi efficaces, ne présentent pas plus de risques pour la protection des cultures et en plus nous permettent de réduire nos doses. Donc, rétablir la confiance déjà dans ces produits. Et la deuxième, on en parlait tout à l'heure, c'est l'accessibilité financière. Aujourd'hui, seuls 4 biocontrôles sont utilisés sur l'exploitation. Nous aimerions évidemment l'introduire plus, mais les raisons sont soit que les produits n'existent pas, qu'il n'y a pas de solution actuellement, ou que si ces solutions existent, elles sont hors de portée économique, voire des fois technique, parce que certaines solutions nous demanderaient de travailler dans un environnement différent, par exemple sous serre. Or là, nous sommes sur grande culture en plein air et nous ne pouvons pas maîtriser toujours la présence des auxiliaires que nous allons lâcher dans le champ.